La pandémie de la COVID-19 n'a pas eu que des effets négatifs au Togo. La pénétration des services financiers mobiles a connu une hausse de 7% en moins d'un an dans le pays. Une performance imputable notamment à l'implantation du programme de revenu universel de solidarité Novici, mis en place au début de la pandémie par les autorités pour venir en aide aux personnes les plus démunies via le mobile money. Novici a été une plateforme quand même très innovante, une véritable trouvaille des autorités togolaises pour pouvoir aider les populations les plus vulnérables. Le paiement mobile joue encore un rôle, au-delà de la pandémie, joue un rôle important dans les ménages. C'est devenu le principal outil de transfert monétaire en Afrique. Selon une analyse effectuée par la Banque mondiale sur l'impact du dispositif sur les populations les plus vulnérables, le programme a permis la création de 170 278 nouveaux comptes dématérialisés entre avril 2020 et janvier 2021. Je crois quand même que c'est un outil très important qu'il faut, comme je l'ai dit, améliorer pour pouvoir accélérer l'inclusion financière, parce que déjà, ces personnes qui sont touchées, on peut pouvoir essayer de les identifier, voir comment est-ce qu'on peut augmenter, accélérer leur inclusion financière pour pouvoir, en termes de prêts, en termes de transfert monétaire. Donc quand même, je crois que c'est l'initiative qu'il faut encourager, réfléchir davantage, améliorer. Introduit dans le pays en 2013, les services financiers mobiles atteignent désormais 62% de la population, selon le dernier rapport national sur l'évolution des marchés régulés. Le nombre d'usagers de mobile money tourne autour de 5 millions de personnes sur une population de 8,2 millions d'habitants.